Son dernier concert comme soliste, c'était le 20 octobre dernier en hommage à Michel Legrand avec l'Orchestre d'Avignon. Depuis l'annulation de tous les spectacles et tournées auxquels il participait, Patrice Perieiras est revenu dans son Limousin. Je fais de 8h à 10h, 2h de piano par jour, et ensuite de 10h à 21h, j'écris. Je ne suis dérangé par rien. Voilà. Donc quand j'en ai un petit peu marre, je peux sortir marcher dans la nature, c'est quand même formidable. En même temps, je réfléchis à ce qui s'est passé, et puis je rattaque le lendemain avec l'envie. Il met à profit ce confinement pour travailler tous ses projets personnels laissés en stand-by, faute de pouvoir s'y consacrer quand il est sur scène. Un travail certes pas rémunéré pour l'heure, mais qui n'est pas du temps perdu. Aujourd'hui, il n'y a pas de commande, il n'y a donc pas de finances et il n'y a pas de première. Il y a juste le principal, le milieu. Et le milieu, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est le plus beau, c'est créer. Et le temps de pouvoir écrire librement et d'aller au bout de ses idées, c'est ce qui m'a permis de profiter de ces instants rares et positifs. Autre séance de travail, mais cette fois à distance, pour Marie Legendre, altiste. Coucou Anastasia. Ça va, tu me captes bien, tu me captes bien. Je suis en pleine création de spectacle avec une collègue qui travaille à la Philharmonie de Paris, qui est musicologue et conférencière. Et du coup, on travaille autour de Marie-Antoinette, de sa vie musicale, de son intimité et de sa correspondance. Le premier confinement lui a fait prendre une décision, quitter Paris pour installer sa famille ici, à la campagne. De plus en plus d'artistes viennent s'installer dans les campagnes et trouvent une plus grande qualité de vie. J'y trouve des partenaires également très disponibles et une émulation évidente en campagne, évidente. Une opportunité qu'elle a saisie aussi parce que technologiquement, ça suit. Il faut dire qu'aujourd'hui, avec la digitalisation des documents et des ressources, en fait, on a accès à énormément de choses depuis la maison. Là, je travaille toute seule. Bon, ok, c'est très bien, je mets les choses en place, etc. Après, moi, je me sens vivante avec mon art uniquement quand je suis avec mes collègues et je peux sentir leur énergie corporelle, leur joie, leur exultation, parfois leur mélancolie, etc. Et pareil avec le public. Une énergie que ne peut plus partager non plus Jean-Michel Arnaud, professeur de lettres, avec ses élèves, quand il les emmenait au théâtre ou au spectacle vivant. Aujourd'hui, il lui reste ses auditeurs. Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Mise en Page. Aujourd'hui, depuis 17 ans, il lit des ouvrages de son choix sur l'antenne de Radio Vassivière. Le livre est extrêmement important en ce moment. C'est un compagnonnage essentiel, vraiment, pour avoir accès encore et aux auteurs et aux histoires. C'est tellement important de s'échapper de ce qu'on vit en ce moment. Donc si on n'avait pas ça, on serait vraiment encore plus triste. Donc il faut absolument lire, écouter des histoires. Si on n'aime pas lire, on peut en écouter. Il y a plein de solutions pour le faire. Et puis s'échapper par la musique et par les moyens qui nous sont accessibles encore.